Yo la famille, c'est le King, comment ça aujourd'hui? Moi ça super, j'ai pas comme jour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait longtemps, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Vous aurez bientôt un épisode spécial posé sur le tatami pour vous expliquer pourquoi je n'étais pas là depuis un mois. J'ai eu pas mal de petits projets à côté avec un groupe de musique, je vous raconterai tout, vous inquiétez pas. Mais du coup, je suis de retour sur DBZ Xenoverse 2 pour continuer nos aventures et vraiment les enchaîner cette fois-ci parce que c'est un jeu vraiment au top du top. Il me semble qu'il y a le quatrième DLC qui est sorti sur Xenoverse 2. Donc les gars, voilà, j'avance, j'ai une deuxième partie les gars où j'avance du tonnerre, j'ai pas mal avancé. Et cette partie, on a un peu ralenti, mais là, on va reprendre. Vous voyez que mon perso a vraiment de flow là, il est en pleine méditation. Et oui, il y a plein de petits trucs marrants, tout ça. Voilà, donc on va pouvoir s'amuser avec ça. Et donc du coup, tout de suite, on va se rendre au point bleu les gars. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, on avait fait la quête sur Terre, c'était plutôt pas mal. Et bah là, on va aller faire progresser notre personnage dans cet épisode, histoire de reprendre le rythme. Et puis on verra bien où ça nous mènera, les gars. On va récupérer ce petit truc bleu. Hop là, antidote. Et on va aller là où le destin nous emmène, c'est-à-dire pas là, c'est-à-dire là-bas. Voilà, je vous inquiétez pas, je vous expliquerai pourquoi j'étais autant absent, j'avais pas mal de choses à faire, et puis vous savez, des fois on a besoin de souffler un peu, parce que YouTube c'est bien, mais on a une vie à côté, il y a pas mal de choses à faire. En tout cas, j'ai vu que pendant que j'étais absent, j'ai pris pas mal d'abonnés, je suis à 1200 abonnés, ça fait plaisir les gars, donc continuez à faire partager ma chaîne, et vous inquiétez pas, il y a plein d'autres aventures qui vont arriver sur ma chaîne, très très vite les gars. Alors, il y a Chaps là, qui nous dit, si mon gars... bah c'est Gonto qu'il faut aller voir, Gonto. On va aller voir Poto Gonto, je crois qu'il faut que je l'affronte. Oh, tu fais partie de cette police du temps dont j'entends beaucoup parler, c'est ça? Je veux dire que vous étiez puissant dans cette organisation, est-ce vrai? Le puissant presque les vérifier au combat, j'espère que tu ne me décevras pas. Allez, donne tout ce que tu as. Ok mon gars, je pense que dans cet épisode, comme je vous le disais, on va faire progresser énormément notre personnage, les gars. On va faire pas mal de petites missions secondaires, histoire de vraiment prendre du niveau les gars. Et puis dans le prochain épisode, on continuera la quête en mode histoire. Mon perso il a vraiment trop de cool. Allez, c'est parti. On va lui faire taper tout de suite qui on est. Allez hop. Allez. Allez hop. Voilà. Trop de fou le perso, non, mon perso est trop fou. Il est vraiment trop fou mon perso. Allez, gagne de vent aussi. Oh ouais, trop fou le perso, mon gars, le big boy. Allez. Ce Kamea il est lourd, mais il fait pas assez de dégâts, je trouve. Kamea met un peu un vrik, vrik à braque. Vous vous rappelez dans le dernier épisode sur Terre, on a galéré face au singe, face à Vegeta et Nappa, les gars. C'était assez relou. En tout cas, là, on s'amuse assez avec Gonto qui n'a vraiment pas notre niveau, quoi. Ouais, c'est mal. Okay. Allez. Et allez, hop, c'est fini, chaos technique. Maintenant, tu vois, c'est quoi la puissance d'un boss? Allez hop, est-ce qu'on va monter de niveau? Normalement on monte de niveau, niveau 9 les gars, voilà, on prend du niveau, même 10, on a pris deux niveaux d'un coup, on va pas se plaindre, ça rapportait des points cette connerie, hein. On a pris deux niveaux d'un coup, lourd. Ouah, j'abandonne, je ne pensais pas tomber sur une telle puissance, cependant j'ai l'impression que tu n'as pas encore atteint ton plein potentiel, les gens comme nous ne se reposent jamais. T'as tout compris mon gars. Hop là, on gagne une Dragon Ball. On va pas se plaindre. Allez, hop, ça c'est fait. Je vous rappelle que maintenant, vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5 petites maisons avec événements
d'histoire, c'est des endroits où je vais pouvoir aller autre que sur la carte, les gars. On va essayer d'en rejoindre un pour voir. Comme ça, vous verrez tout de suite ça représente quoi. Il y a les points rouges aussi, bah du coup, c'est les téléportations. Donc, c'est ce qui nous intéresse, les gars. Il y a une histoire aussi au milieu, vous avez vu, mais on ira après. On va quand même aller découvrir un peu ce qui se cache dans ce monde. Où veux-tu aller? Et alors, voilà, c'est là que je vous disais, on a du coup le quartier balnéaire de Tortue Géniale qui est là. La maison de Satan, Capsule Corp, maison de Doyen, maison de Bu et maison de Freezer. Je pense que vu que notre perso ressemble à Freezer, on va aller à maison de Freezer. Et c'est parti. Direction maison de Freezer. On va voir un peu la vue d'ici. Vous voyez qu'on est vraiment là. On atterrit du coup ici. Du coup, si je dis pas de bêtises, là-bas, c'est chez Tortue Géniale. Direction de Freezer. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouh, regardez, je vole, les gars. Et on est au-dessus de la terre, en fait. Et on fout le sbeul. On est là où il y a le vaisseau, pour d'ailleurs. Et poteau. Tac. Et il y a Apple. Hey. Salut, toi. Elle est plutôt pas mal, hein. Thanos. Regarde, j'ai une photo du cassette compte. Ah ouais. Je vois le délire. Ok, Apple. Bon. Alors. Les 5 frères m'ont réclamé mon nom, donc il y en a 4 autres. Je ne sais pas pourquoi le vaisseau de Freezer est enveloppé par une grande faille temporaire. Et, ok, je me disais que je devrais profiter de ma présence ici pour observer les fonctions de la nation. Plutôt que de jouer fortif, je serais peut-être plus malin de rejoindre les forces de Freezer tout simplement. Pourquoi pas, je ne rejoins pas les forces de Freezer. Ok. Donc clair, faut que je rejoigne les forces de Freezer. Visiter le vaisseau de Freezer. Réfléchis bien à la faction que tu rejoindras. Ok. Du coup. Pour entrer dans le vaisseau de Freezer, on passe par où? On va aller à un autre endroit, du coup, on est tué. Tac. Voilà la maison de Satan. Allez, on va pas se prendre la tête. On va aller chez Satan Petit Cœur. Allez, on a la maison de Satan. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient d'eux? Ah, il y a l'autre frère. Ah, c'est le premier frère. Ok. Green Saiyan, ah. C'est Sangohan, ça, et sa copine Vidal. Ok, d'accord. Donc Satan cherche un verre du corps. C'est bon à savoir. Ok, alors Satan, il est où? Il y a une corne abîmée, c'est pas très cool. Allez. Et toi, tu as l'air de quelqu'un qui pratique des arts martiaux. Tu sais qui je suis, ne fais pas semblant pour cacher tes surprises. Je suis l'homme le plus fort du monde, je suis Satan. C'est toujours de chance, je cherche quelqu'un à embaucher. Aimerais-tu assurer ma protection? Ce n'est pas une chance que tu auras souvent. Réaction, je m'attendais à que tu éprouves au moins un peu plus de stress devant le chauffeur du monde. Laisse-moi te dire, ok. Vas-y, moi je suis chaud, je suis là, on est là. Ce n'est pas souvent personne qui va se passer. Tu as la veine, c'est une négociation. Pour être honnête, j'ai des doutes quant à ta puissance. Oh, je sais, je vais te tester afin de voir si tu as le niveau pour assurer ma protection. Tu passes monter, je te laisserai assurer ma protection. Allez, commençons sans tarder. Défi, monsieur Satan, terminé 5 quêtes. N'importe quel type de quête. Ok. 300 pour toi. Ok, d'accord. Allez. Bon, on va aller faire. C'est pas très compliqué de faire 5 quêtes. Je cherche à connaître les origines de cette ville, mais je ne saurais pas où commencer. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, Karen? Sangohan et Vidal vont si bien ensemble. J'avoue, c'est vrai. C'est mes persos en couple préféré. Ils sont là, les potos. N'importe qui, je ne pense pas qu'il existe des personnes d'une telle puissance, tu sais, tu serais probablement capable de... Ah pardon, moi je m'emporte, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de monsieur Satan? Ok, d'accord, il n'y a pas de mission avec eux. On va laisser tranquille. On va aller faire une mission, du coup. On va faire une petite pause au niveau des découvertes, quoique on va faire le tour. C'est mieux, on va faire le tour et après on ira au reste. Je sais pas, je me trompe. On va faire un peu le tour de tous les univers, histoire de bien découvrir les univers, les gars. En tout cas, Satan nous a donné une mission, ça c'est cool à faire. Alors, où veux-tu aller? On a fait ça, on va aller à Capsule Corp. C'est chez Bulma et Papa Bulma.
On va voir le poteau, ça doit être le deuxième. Ouais, le deuxième des cinq frères, Murizaki. On est Toton, je cherche à savoir pourquoi Capsule Corp a été enveloppé dans une grande faille. Bah, je sais pas, c'est la même chose. Je chasse entraîné pour devenir plus fort, tu devrais te joindre à lui quand tu auras gagné en puissance. Moi non, ça va, et puis Ninja n'est pas censé montrer ses tours. Inventer quelque chose, ce serait une machine qui transporte. Ok, d'accord. Ok, Capsule Corp te permet de tester des compétences avec des végétaux ou de créer des puissants équipements de QQB. T'entraîner avec Vegeta te fournira plusieurs quêtes desquelles tu devras affronter Vegeta. Des quêtes supplémentaires seront disponibles si tu es race Saiyan. Ah, on n'est pas de race Saiyan. Et les QQBang peut être créé en mélangeant des compétences de Capsule Corp. Tu peux choisir différents équipements à combiner pour créer les QQBang. Ajoute des matériaux en plus peut aboutir à encore plus de puissance et rareté des costumes. Les matériaux affectent aussi la qualité. Super, ça. Ok, d'accord. Ah, il y a Vegeta là. Le poteau. Attends, il y a Nira déjà. Ok, d'accord. Le mec est fan de Vegeta. Ne me parle pas si ce n'est pas important. Tu interromps mon entraînement. C'est trop le mec, Vegeta. T'as changé, man. Tu peux entrer là-dedans? Non. Apuza. Ok, d'accord. Fan de Vegeta aussi. Echo. Tiens, je connais pas beaucoup de plus grands scientifiques, mais demain exceptionnel. Ouais, ouais. Ils sont en admiration devant elle ou quoi. Bubu. Hi. Salut, tu viens pour les mélangeurs de compétences toi aussi? Ah non, je croyais que tu étais là parce que quel genre de machine, c'est bien. Ok, d'accord. Ok, Bulma. Merci pour ta patience, mélangeur de compétences, t'as téléparé. La machine est maintenant disponible. Bah, parle-moi avant d'utiliser la machine. Tu dois apporter les costumes des ennemis. Pour tous les ennemis. Ah ouais, le mec, il a la dalle d'argent, quoi. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. On a quelques petits costumes, c'est ça qui est marrant. On va tester. On va mélanger, on va voir ce que ça donne. Ok, ça a donné pas grand chose, mais bon. En tout cas, vous savez que j'ai beaucoup de thunes, ça c'est plutôt cool, donc on va pouvoir faire des achats avant la fin de notre épisode, je pense. Il nous reste un lieu, deux lieux à visiter, je pense qu'on fera un petit combat pour finir, et après on fera ce que j'ai dit pour cet épisode, les gars. Donc là, ça c'est fait, on va aller du coup maintenant. Maison du doyen, donc ça, le doyen qui est ici, c'est le nouveau dieu en fait. C'est chez les Namek en fait. Et le doyen, du coup, c'est le nouveau dieu de la terre. Après, vous rappelez, tout petit taille et tout, c'est Dende. Aïe, qui es-tu? Tu n'es pas avec eux? Quel soulagement! Mais c'est trop dangereux pour toi d'être ici, je t'en prie, pour un truc tu peux. Ok, d'accord, Dende, mais on est cool, non? Ah, il y a Neil. Neil, j'adorais ce personnage. Dans les quêtes avec Freezer, tout ça. Là, pourquoi la maison? Ok, d'accord. Elle raconte toujours le même babla. Et là, ça nous intéresse. Peux-tu maintenir la paix? Peux-tu maintenir la paix avec la maison du doyen en acceptant régulièrement des quêtes qui se trouvent? Ah, ça, c'est bien. Je recevrai un message pour prévenir lorsqu'une nouvelle quête est disponible. Si tu ignores la quête ou tu échoues, la maison du doyen sera attaquée. Si tu la protèges, tu seras certainement récompensé. Lourd. Du coup, Neil a une mission. On va pouvoir aller le voir. On va aller voir les autres. Oh, ce monde, ok, d'accord. Mino, les forces de Freezer sont dangereuses, mais ne se les aiment pas, les Namek. Ah, tu vois, lui-même, il dit Calife. C'est une planète pour accueillir peu de Saiyan, les gens sont si sérieux ici. Ok, c'est qui lui? Une Nai. Ah, c'est une femme. Pas de différence, lui. Ok, d'accord. Et il y a lui. Elle a un vrai flow. Par contre, je kiffe avec son chapeau. Je ne suis pas sûr que ce sol soit assez bon pour qu'on cultive quelque chose. Bonjour, j'essaie de faire pousser des légumes ici. Appelle-moi Mezuki. Mekuji. Je sais que je suis un Namek, mais je préfère faire pousser des légumes plutôt que des Lajirsa. Ça te ressemble étrange, je suppose que oui, mais j'adore ça. Et puis voilà, enfin, ça va m'inquiéter. Et on a paix. Je n'ai jamais aussi poussé la paix étant venu sur le temps-ci. Non, non, non. Ça, ah, je vous donne un truc. Au fait, ce serait très utile à la ferme si tu avais ça. Merci mille fois, grâce à toi les champs reviennent à la vie. Maintenant que tu peux me reposer un peu, j'aimerais te donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il me donne? Il
Et puis ouais, même j'ai ok, d'accord. Ok, je sais pas ce qu'il m'a donné, mais bon, on va dire qu'il m'a donné quelque chose. Putain, un arc violet, stylé. Ah ouais, distorsion fort. En plus, c'est un requin, le Namek. Bon, on va aller voir Ney. Il y a sûrement une petite mission de combat, et ça, c'est plutôt cool. Qui es-tu? Ce n'est pas dessiné, tu n'as pas l'air méchant. Des monstres très puissants à bafouer cette terre. C'est autant que possible. Quoi, tu veux rester? Tu te rends compte que les batailles sont inférieures. Eh gros, tu sais, on est qui protégé d'un robot? On est là, frérot. Tu as dit que tu pouvais te battre. Je compte donc sur toi pour une bataille. Allez, let's go. Ah, ils ont mis la petite musique. Il faut trouver les Dragon Ball avant la team où il y a Freezer et compagnie. Faut que je récupère 3 Dragon Ball. C'est une difficulté à 3 étoiles. Ça devrait le faire. Allez, let's go. Défendre Namek, première partie. Bon, on est avec Ney en plus. Le but de cette quête est de collecter d'un dragon caché dans la zone, utiliser d'un dragon pour... Ok, d'accord, on va buter les mecs d'abord. Ok, allez, c'est parti. On va prendre au hasard, on a pris Apple. Allez, Apple. Tout à l'heure, on l'a vu. Et son blaze en fait trop rire. C'est rien. Allez. Ah oui, il se laisse partir, hein, les potos. On s'occupe de ça et après on s'occupera des Dragon Ball du coup. Boum 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 boum. Je vous mets pas. Allez hop. Dorian, on va faire pour rien mon gars. C'est-à-dire qu'il est dans la team. Il est dans la team pour rien du tout mon gars. Voilà. Je suis là mon gars. Ah tu crois que t'es chaud? Il y a la team du général Grievous là, Grievous. Comment il s'appelle? Allez, 2-1. Allez, on passe à la suite. Qui sont les autres? Ah, ils sont en train de faire la misère à Ney, par contre, ça c'est pas cool. Ah, ça bon. Lui aussi, j'adore ce perso. Trop stylé. Tout ça, ça me rappelle ma jeunesse. Ah, par contre, toujours, il m'a défoncé très vite tout à l'heure. Trop de feu. Pas le génie, pas le même génie, pas le même feu. Allez hop, allez hop. On se met à deux sur toi. Hop. Celui-là, il a mangé. Clairement. Eh, mon pote, je suis un pote à Freezer, vraiment. Même Freezer n'a pas me touché, là, vous. C'est une boss. Oh, qu'est-ce que je lui ai mis aussi? Bon, est-ce qu'il appelle? Clairement, appelle. On va se faire contre toi, mais tu pues la merde. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est la merde de merde. Eh, Freezer, casse pas les couilles. J'ai pas trop de temps avec toi. Je me suis gâté. Ah putain, Freezer, il est où? Alors, maintenant je peux m'occuper de toi. Free, c'est de l'eau. Allez, allez,
Ah putain, ça a du feu, il a du feu ce perso. Ok, je suis derrière mon gars. Mais frérot, tu m'as oublié ou quoi, Goku? Le frérot, il m'oublie. Allez, frérot. Détends-toi, mon gars. Ah ouais, frérot, il fait mal. Attends. On va juste prendre un petit bail et on repart au combat. Allez, allez. Maintenant, on peut aller chercher les Dragon Ball. Allez. Dragon Ball. Dragon Ball. J'aime bien cette mission, elle est plutôt sympa. Ah, c'est pas la plus possible ici. Ah, la vidéo, la troisième sera là. Ah, attends, de l'autre côté. Regardez. Un petit peu d'un bon beau. Alors, hop. Il en restera une dernière. On sera dans le coin. En plein dans le village. Ah ouais, elle était cachée. Oh, stylé. T'as vu le délire? Allez hop, pour la troisième. Et... fin de la mission, les gars. On a trouvé 3 Dragon Ball, on a fait la Zermi. Et puis, voyez, on va atteindre un rang de... Ah, bah c'est pas Z, hein, c'est A. C'est même pas S. On va prendre un level supérieur. 2 levels supérieurs, les gars. On est niveau 12. Et en plus, on gagne des petits trucs. C'est plutôt cool. Du coup, les gars, on a réussi la mission. Voilà, voilà. On va pouvoir y aller. Partir. Il nous restera donc maintenant. On n'a pas été maison debout. On n'a pas été à la maison debout. Pour finir, on va faire la maison debout, les gars. Allez, c'est parti pour la maison 2. On va peut-être faire un petit combat avant d'arrêter là. Ah, lourd. Yo. C'est le dernier des frères, non? Quatrième. Je cherche à savoir pourquoi la maison de Bou a été enveloppée comme d'habitude. Bou se sent seul dans sa grande maison bien vite. Tu devras l'aider à grandir sa famille. Stylé. Tu obtiens de la nourriture à Canton City et que tu offres à Bou pour remplir sa jauge de satiété. Un nouveau membre rejoindra sa famille. Stylé. Sa famille peut normalement avoir 6 membres, même si ton personnage est Majin, cette limite passe à 10. Ah, dommage, j'aurais imaginé qu'il serait 10. Si tu donnes de la nourriture aux membres de la famille de Bou, ils iront se promener et te donneront ensuite un objet à leur retour. L'objet obtenu dépend du type de membre de la famille. Rouge, super âme, vêtements. Ok, lourd, lourd, lourd. C'est bon à savoir. Ok, c'est plutôt intéressant. Alors, Sen, qu'est-ce qu'il dit? Elle a un flow. Putain, ils ont tous faim dans le groupe. Eh, hâte de courir, poteau. Mais il a un flow, le sien. Il ressemble à Bou et en retour, il se donne sur la complètement falaise, c'est vraiment pensé. Bah, je suis d'accord avec toi.
Sans Monsieur Satan, Boo sera encore le méchant Boo que tout le monde connaît. On va aller chez Boo, dire bonjour. Yeah, c'est stylé. Hein. Franchement, les graphismes, waouh. Damn. Alors, Boo, qu'est-ce qu'il dit? Oh bonjour, tu viens jouer? Oh, toi, premier à venir chez Boo, hein, par ça, Monsieur Satan. Boo, trop content, tu veux jouer à quoi? Cache-cache ou tu veux manger? T'as besoin de quelque chose, c'est pour ça que tu peux pas jouer. Boo faire la maison, il n'y a que Satan qui vient jouer. J'aimerais bien quand Monsieur Satan vient, mais Monsieur Satan a Vidal. Alors, il peut pas rester longtemps. Satan toujours heureux quand il parle de Vidal. Il l'a plus qu'une minute, je crois. Voilà, il veut que j'agrandisse son... augmenter le nombre de Boo. Du coup, j'ai pas mangé pour lui. Attends, à voir. Alors, si on a des trucs, on a des trucs. Alors, champignons, ça monte un peu et les tue un peu aussi. Il va falloir trouver de la bouffe pour ce monsieur. Allez. Du coup, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a fait le tour des points, il y a Namek, il faudra refaire une mission parce qu'il y a un petit bug en fait. Du coup, voili voilà, il y a un petit point rouge, on va finir par ça. On a plus 4 niveaux déjà, quand même ça fait plaisir. C'est déjà assez pris. Et on va aller à la réception les gars. Hop là. Vous savez qu'il y aura des missions assez intéressantes à faire. Du coup, on va aller. Qu'est-ce qu'elle a dit? Beau travail, tu as exploré chacun des grandes failles temporaires. Et je parie que ta surprise, c'est la faille gigantesque, n'est-ce pas? Sans parler des choses étranges qui se trouvent à l'intérieur. L'histoire a été vraiment modifiée, ce qu'elle fait. Hein, okay. Heureusement, les modifications de l'histoire n'ont donc d'impact que sur ces failles. Rien n'est effectué à l'extérieur. Cependant, personne ne sait ce qui est à l'origine de leur apparition. C'est la raison pour laquelle nous voulons que tu enquêtes. Les autres failles temporaires sont cependant bien plus grandes. Nous en discuterons donc plus tard. Quoi qu'il en soit, beau travail. Pour te visiter, je tiens à te donner ceci. J'espère que nous retravaillerons de nouveau ensemble. Capsule d'énergie P. Lourd. Du coup... voili voili où. On va monter en haut pour la fin de notre histoire. Vous nous connaissez. J'en suis tombé carrément. Attends, on va monter là-haut. Ah, il est flou, il y a du flou, il y a du flou. Le petit jet. Pour Piccolo. Alors, on va juste donc voir leur personnaliser, modifier les équipements. On va voir ce qu'on pourra ajouter à notre personnage. On a des petites tenues intéressantes. Tenue Piccolo. Qui augmente l'endurance. C'est les super kicks. On a la tenue de combat de Sangohan. Elle est plutôt pas mal celle-là. La tenue de Green Saiyan. J abîmé de Sangoku. Elle est plutôt bien. En fait, tout ça, c'est parce que j'ai déjà avec mon autre perso, il me semble. Ah, même pas. Je les ai gagnés en fait. On a les gants. On va rester comme ça. Ça fait un petit flow comme ça, j'aime bien. Tac, accessoire. Arrêtez-moi avec le turban de Piccolo. Ça fait un délire. On a les carapuces de tortue générale, détecteur de doreur. On va mettre la carapace. C'est assez marrant. Voilà, on a changé notre petit flow. Alors, au niveau des techniques, on a choisi donc des charges. On a gagné quand même des trucs. On a fait des petites choses quand même. Du coup, ouais, on s'entraînait avec Yancha, vous pouvez voir. Ça, c'est Yancha. De Dompa et compagnie, ça, c'est Piccolo, les gars. Et Kanongari et compagnie, c'est Vegeta, que j'aimerais bien choisir soit comme maître ou sinon Freezer, on verra bien. Du coup, dans le prochain épisode, vous verrez les attaques que j'aurai sélectionnées. Du coup, ça sera sûrement les meilleures attaques. Et pour finir, on va améliorer nos attributs. Je vous rappelle qu'on est surtout concentré sur les ki. Elle est super frappée, elle est super Kikoa. Donc voili voili, on va augmenter ceci. On a 6, 6, 6, 3, 3, 3, 7, 7, 7. Et on va faire comme ça. Voili voilou. Ce qui nous fait 3 en santé, 7 en ki, 3 en endurance, 3 en attaque de base, super, 8, 8 et 8. Donc voili voilou les gars.
Attends, pour la bonne cause, on va quand même s'asseoir, on va faire le beau gosse. Salut les amis! Donc voilà les gars, c'était le King, en tout cas dans la joie, dans la bonne humeur. J'espère que ce nouvel épisode, cet épisode 4 sur Xenoverse 2 vous aura fait plaisir. Je vous ai dit que ça faisait un petit moment que j'étais pas allé sur la chaîne, j'avais pas mal de choses à faire à côté. Vous verrez donc dans une vidéo spéciale posée sur le tatami où je vais raconter mes projets d'avenir et pourquoi j'étais absent les gars. Ça continue l'aventure YouTube, vous attaquez pas, vous ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas les gars. En tout cas, pas mal les épisodes d'Alex Hunter qui vont aussi s'enchaîner très vite, j'ai déjà fini l'histoire donc je vais tout vous envoyer les gars, et sûrement un mode carrière qui va arriver, pourquoi pas d'autres choses sur FUT 16 en attendant le 17 bien évidemment les gars. J'ai pas mal de petits challenges et de délires à faire, je pense le partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre, à parler dans l'espace commentaire si vous avez des questions, mon Twitter, mon Facebook dans la description, comme toujours les amis. Je vais vous parler de mes projets, vous inquiétez pas. C'était le King dans la joie, dans la bonne humeur les gars, peace out.